À la ferme. Filmazra. À la ferme, dit le lever du jour, on entend le chant de coq, et notre réveil se fait en douceur. On ouvre la fenêtre, on y respire l'air sain. On aperçoit le berger avec son chien qui aboie. Il amène son troupeau en haut des montagnes. Après avoir déposé le lait de la vache, le matin même devant la porte. La terre est labourée, on voit encore la charrue derrière les bœufs qui rentrent à l'étable. De belles récoltes nous surprendront l'année prochaine. À la ferme, dès le lever du jour, on entend le chant de coq. À la ferme, dès le lever du jour, on entend le chant de coq. À la ferme, dès le lever du jour, on entend le chant de coq. Et notre réveil se fait en douceur. Et notre réveil se fait en douceur. Et notre réveil se fait en douceur. On ouvre la fenêtre. On ouvre la fenêtre. On ouvre la fenêtre. On y respire l'air sain. On y respire l'air sain. On y respire l'air sain. On aperçoit le berger avec son chien qui aboie. On aperçoit le berger avec son chien qui aboie. On aperçoit le berger avec son chien qui aboie. Il amène son troupeau en haut des montagnes. Il amène son troupeau en haut des montagnes. Il amène son troupeau en haut des montagnes. Après avoir déposé le lait de la vache le matin devant la porte. Après avoir déposé le lait de la vache le matin devant la porte. Après avoir déposé le lait de la vache le matin devant la porte. La terre est labourée. La terre est labourée. La terre est labourée. On voit encore la charrue derrière les bœufs qui rentrent à l'étable. On voit encore la charrue derrière les bœufs qui rentrent à l'étable. On voit encore la charrue derrière les bœufs qui rentrent à l'étable. De belles récoltes nous surprendront l'année prochaine. De belles récoltes nous surprendront l'année prochaine. De belles récoltes nous surprendront l'année prochaine. Une autre lecture de texte. Une autre lecture du texte. À la ferme, dès le lever du jour, on entend le chant de coq. Et notre réveil se fait en douceur. On ouvre la fenêtre. On y respire l'air sain. On aperçoit le berger avec son chien qui aboie. Il amène son troupeau en haut des montagnes. Après avoir déposé le lait de la vache le matin, même devant la porte, la terre élaborée, on voit encore la charrue derrière les bœufs qui rentrent à l'étable. De belles récoltes nous surprendront l'année prochaine.